23 janvier 2018, téléspectateurs, téléguinéens, quel que soit côté dans le pays et à travers le monde là, nous saluons, nous comptons rentrer la carrière aujourd'hui à l'occasion de deuxième sortie dans les WC des stades pour servir au moins avec Ismaël Chester-Antoine qui m'a dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Général, nous souhaitons un bon retour et bon rétablissement. Merci, merci. Et nous saluons les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens. Nous comptons retrouver nous pour nous capables de porter pour notre deuxième sortie dans les vestiaires de stade pour ce matin. Point d'abri pour nous développer avec vous, Pabo Isit, nous pourrons parler de match inaugural 11e édition Coupe Lamartine Clermont contre l'institution Saint-Louis de Gonzague gagné. Institution des frères d'Aceus, yon gol à zéro, n'a placé yon timo dans volleyball, saison régulière Ligue Volleyball Région Westland, gain Tigresse qui gagne volley 2000, 3-7 à 1, 25-18, 25-20, 19-25, 25-20. À l'échelle internationale, nous avons pour nous parler de 24e journée championnat d'Angleterre qui aurait belle victoire d'Arsenal 4-1 aux dépens de Southampton. Alors que dans la 21e journée Serie A italienne, grâce à l'organisation de Douglas Costa Juventus, fait une courte victoire 1-0 aux dépens de Genoa. Nous avons pour nous parler de basketball NBA saison régulière, surtout avec importante victoire de Houston Rockets 99-90 face à Miami Heat. Grâce à qui excellent James Harden, auteur de 28 points, 5 rebonds. Abgué, tout le monde parler de tennis avec la défaite de Novak Djokovic en 3 manches, 7-6, 7-5, 7-6, en 8e de finale. Open d'Australie face à Eyon Chung. C'est pour ça qu'on peut que l'abgué pour nous développer avant. On a marqué la première pause, on a tourné après. Téléguiné, dans les vestiaires des stades. Téléguiné, dans toutes vestiaires de toutes stades. Interview, raconte, reportage, réaction. Résumé match, analyse dans les vestiaires des stades sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Nous tournons après, première pause, on a démarré avec information. Bon, ici, Jean Saté a annoncé. Commission sportive Saint-Louis-de-Gonzague a lancé 11e édition championnat interscolaire baptisé Coupe Lamartine Clermont avec 4 disciplines sportives, football, basketball, volleyball et athlétisme. Dans le football, pour match inaugural, catégorie U20, institution Saint-Louis-de-Gonzague, les mêmes ligues gagnées, institution des frères d'Aceus, Yungol à zéro, frère d'Aceus, c'est lui-même qui avec maillot rose, short blanc, pourtant Saint-Louis lui-même, Jean est habitué jouant, c'est rouge, short vert, yon contrôle, mais ça relève le petit Luka Modric, tellement c'est idole, yon passe dans l'axe, monsieur Saint-Louis a essayé d'avancer, yon prolongement et finalement, joueur institution d'Aceus, il dégage sur yon corner, gardien lui-même, l'idée tire le repousser et là joueur Saint-Louis a essayé d'avancer, yo mettait li à terre, but la dit faute, li beauté coup franc pour diable gardien, li mal relancer ballon, li mal repousser ballon, ballon rentré dans goal, youn pour Saint-Louis, 0 pour institution des frères d'Aceus et là a essayé montre action, yo contrôle rouge meni. Ça relé yon caressé boubout joueur là caressé l'autre là, il dit le côté pour aller côté me te voyer et il arrivé passer mais passe là et après c'est avancer monsieur Saint-Louis continue même à mettre pression sous une frappe, malheureusement joueur là dans surface là il raté action, ça qui t'a pas cause que ballon lui même li aller, il a monter une reprise action mené côté pour aller la tomber ou pas ta faire ça et élève l'école pareil ou pas faire ça li ou pas ta faire ça et li tomber li arrivé passer celui qui gagne match là un goal à 0 à signaler pour football. C'est 30 équipes qui repartit en 5 catégories U20, U17, U15, U13, U11 qui a participé dans championnat. Il démarré 19 janvier 2018 la bout 11 mai 2018 gain Henri Camo qui est secrétaire général commission sportive Saint-Louis de Gonzague, dans l'intervention de faire le point autour de déroulement compétition. En suivant. À combien d'équipes il démarre? Il démarre à 30 équipes. Là, nous dit 30 équipes, est-ce que qui chaque catégorie est reparti? Exactement. Là, en U20, nous avons 8 équipes. En U17, nous avons 7. En U15, nous avons 6. En U13, nous avons 5. En U11, nous avons 4. Ça fait 30.
OK, nous démarrer avec 30 équipes pour 11e édition. Équipe ça qui a participé à côté au sortie, est-ce que c'est dans zone Delma ou bien c'est dans toute les zones métropolitaines? Nous sortie dans toute zone métropolitaine en pleine Pétionville, un peu partout à travers les zones métropolitaines. Choix équipe ça, c'est comment nous te fait pour nous te faire choix équipe ça? Bon, choix est un peu difficile parce que selon critères, selon protocole championnat, faut que équipe yo c'est ça relé des élèves joueurs. Ça veut dire que à travers football là, n'a pas éducation tout. Ça veut dire qu'il y a pile d'équipes qui t'a aimé participer, mais malheureusement, il n'y a pas répondu à critères qui est écrit dans le protocole là, il est obligé pas là. OK, habituellement, qu'est-ce qu'on a qu'on dit à faire avec U20, U17, là on regarde ou gain l'impression que l'argent pas respecté. Nous même comment nous faire pour nous gérer histoire l'argent dans compétition ça. De côté pour question, surtout dans commission sport la Martine Clément dans Saint-Louis-Gonzague. Championnat toujours ouvert en janvier. Troisième semaine mois de janvier par exemple. Nous toujours, depuis novembre, nous lançons lettre d'invitation à toute équipe qui t'a voulu participer. Et nous faisons porter des dossiers, des pièces justificatives pour montrer effectivement élève qui a porté, joueur qui a porté Banuo, c'est l'élève qui est effectivement dans l'école là et qui est dans le niveau parce que nous avons un calendrier qui est établi à partir de telle année, qui est capable de jouer dans telle catégorie. Ok, genre de compétition, ça démarre. Quelle heure a fini? La fini le 11 mai pour finale, pour les grandes finales. Ok, équipe qui est championne, c'est l'école, mais que ça nous a baillé. Bon, équipe qui championne, nous toujours baillons en coupe. Équipe qui championne avec vice-championne. Ok, comité ça, est-ce que c'est football? Parce que habituellement, et la Martine Clément, toujours organisé d'autres compétitions. Est-ce que c'est dans le football seulement, nous basons nous? Non, nous avons 4 disciplines. Il y a football, il y a basketball, il y a volleyball, il y a athlétisme. Voilà, on va suivre la réaction. Henri Camo, qui est secrétaire général, commission sportive Saint-Louis-de-Gonzague. Milorg Pierre Lorfis, capitaine U20 Saint-Louis Gonzague, dans l'intervention, a dit « Nous satisfait de victoire pendant le m'encourager tout jeune pareil yo prend étudio au sérieux en suivant. » Parce que nous travaillons pour ça, depuis avant le championnat, nous avons un objectif qui c'est de battre tout match et que pour nous, c'est pas perdre un match, mais mon match nul. Donc, nous avons fait l'équipe là et nous croyons que nous avons toujours travaillé dans tout gagner la victoire. Ou dans la catégorie U20? U20, oui. Est-ce que nous avons fait la même classe? Non. Il y a des gens qui sont en philo, des gens qui sont en retour, nous avons des joueurs qui sont en seconde. Comment nous faisons pour nous regrouper, pour nous entraîner? Pour nous entraîner, donc, même la récréation, bien là, nous allons entraîner, nous avons une union entre nous dans l'école là. Parce que même la récréation, nous allons jouer ensemble, nous travailler ensemble des techniques pour nous jouer match. Et que nous entraîner les après-midi. Est-ce que l'école là fait nous certaines exigences à savoir si nous ne passons pas dans l'équipe là? Quelle exigence fait nous? Oui, il y a ça. Parce que il y a un peu de joueurs qui est dans l'équipe là qui très bon tout pour être mettre ça que il pas très réussi et que vous pouvez entraîner avec nous. Donc il y a un moyen qui est bon pour un mois janvier pour continuer à entraîner avec nous. Quel avantage un élève qui a gagné pour la jouer pour Saint-Louis de Gonzague? Avantage un élève qui a gagné, c'est pas un grand avantage, mais que nous connaissons le sport là bon pour nous, donc nous obligés faire et c'est pas un grand avantage. Ok, un message pour tout élève pareil ou cap gardé. Ok, pour tout élève qui a pareil ou cap gardé, je dis ok mais l'école et que pratiquer sport parce que c'est très bon pour nous. Voilà, mesdames, messieurs, c'était capitaine équipe U20, Saint-Louis de Gonzague, Milorg, Pierre Lorfis. Il y a Daceus Romario qui est entraîneur institution des frères Daceus. L'intervention de Lillier contre performance équipe liée avec un manque de préparation. Toutefois, Lillier était quoi le travail pour arriver loin avec l'équipe là. En suivant. Ça fait pour la quatrième fois que nous participons dans le championnat. Mais Saint-Louis bat nous. Ça fait troisième fois Saint-Louis bat nous. Nous t'es voulu pour revanche aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est football. Dans le football, il faut gagner, il faut perdre. Mais nous t'es bien joué. Saint-Louis va bien joué que nous passons plus fort qu'il. Et comme ça, nous jouons, nous perdons, mais nous avons gagné pour ce match pour nous qualifier pour demi-finale. Bon, coach, ça arrête ton mythe. C'est plus fort que lui, ça fait troisième fois le bateau. Comment comprendre ça? Non, mais on connaît. Il y a un souterrain. Il y a un entraîneur plus que nous. Physiquement, il bon que nous. Mais techniquement, nous plus fort. Parce que nous sommes l'école. Et cap mène jeune. Plus loin que ça, c'est pas seulement là, nous jouons de notre côté encore, nous voir à l'étranger. Quand même, nous pensons que nous avons croisé Saint-Louis dans la finale, parce que c'est nous-mêmes Saint-Louis qui avons fait finale. Nous battu quand même. C'est catégorie U20, est-ce qu'on a coaché l'autre catégorie dans l'école là? Oui, nous avons coaché catégorie U20 et U17. Dans combien de compétitions nous participons déjà? Ça fait dans 4 compétitions nous sommes dans le Parc Sainte-Thérèse, nous dans le Parc Celtic, ensuite nous là, et ensuite nous dans le championnat interscolaire qui a fait dans le Parc Antoine Ismery aussi. Comment est-ce que vous avez entraîné l'équipe ça? Ça fait 4e fois que vous avez entraîné l'équipe ça. Est-ce que vous avez trophée dans le cas là déjà? Bon, nous avons trophée, mais nous avons fait une finale déjà. Nous faisons 2 demi-finales, mais nous avons champion. Dis-nous, non, comment est-ce que vous avez entraîné par rapport à l'équipe Saint-Louis? Bon, par rapport à l'équipe Saint-Louis, j'aime dire, ils ont entraîné parce que nous-mêmes, c'est trop entraînement nous faisons parce qu'on a des vacances, en plus, si nous avons des gens qui ont participé. Quand même, nous perdons 1-0, c'est une défaite, mais nous avons gagné pour battre ce match. L'école entraîneur, est-ce que le grand la coupe pour tout le monde jouer football? Oui, il y a la coupe pour jouer football, mais c'est surtout si quand il va gagner grand la coupe pour nous jouer gros camp. Qui soit capable de mettre direction l'école là?
ma première direction de l'école là. Restez confiant, reste de match, on a battu pour nous qualifier pour nous qualifier. Voilà, on suivre réaction d'Aceus Romario qui est entraîneur équipe institution des frères d'Aceus. Nous allons parler de volleyball à présent, surtout avec le championnat volleyball région Ouest qui a continué dans le gymnasium en Vincent. Côté association sportive Tigresse pour le premier match, le championnat a une importante victoire face à la formation volley 2001 qui a gagné 3-7 à 1, soit 25-18, 25-20, 19-25, 25-20, grâce à surtout une excellente Soleil Dapierre qui terminait MVP et meilleur scoreur match avec 22 points vraiment. Et là, c'était un match très passionnant, vraiment capable de comprendre. Et mesdames, yo, des deux côtés, volley 2000 avec l'équipe AS Tigresse, tu as mis en pile ambiance dans le match en volleyball. Ça, dans le gymnasium Vincent, AS Tigresse, c'est lui qui est en jaune, volley 2000 en vert et blanc, vraiment. Et Solaïda Jinadel, nous capable de dire qu'il prend trop de poids comparativement avec Jean que nous connaissons. Bon, oui, mais il n'a pas empêché de jouer et d'utiliser la force li tout. Et pour lui jouer, on regarde pour lui, chaque fois, vous avez essayé de lancer le ballon. Et c'est comme on a dit, bon, créole, c'est crève-cœur. Et moi, je mets chapeau pour l'équipe et voler 2000 ans. Et comparativement à Tigresse, qui n'a pas de bon temps, et vraiment pour être même entraîné à cause de problèmes que vous avez coach et qui quitte Monza, ou est arrivé jouer qualité volleyball ça avec Tigresse. Et nous mettons chapeau, moi, je m'a demandé si vous êtes préparé, ou même j'ai l'équipe Tigresse là, est-ce que vous n'avez pas gagné l'équipe là? Mais Tigresse, c'est même qui était avec habitude li, et li habitué champion, et Grazie là qui joue un gros match, et très intelligent dans le match là, demoiselle ça finalement, et c'est un bon capitaine qui est arrivé. Et l'équipe li gagné, mais Solaïda li même était dans bon basket tradit on fait un jour. Voilà Stéphane Ribu, coach volley 2000 en déclaration a dit satisfait de résultat match là, même si yo tombé cependant lié défaite là à quand manque de préparation, mais c'est pas encore fini, il a continué travail, il a poursuivre compétition en suivi. D'abord un plaisir pour nous retourner sur terrain après que Vlad quitte nous. Donc nous t'es, c'est comme si nous t'avions obligation et nous t'avions désir dans tout pour nous retourner sur terrain en son nom, en sa mémoire. Et effectivement, bon, Tigresse toujours été Tigresse, nous avons plus de respect pour l'équipe ça. Nous montrer une fois, encore une fois, pour qui ça les champions. Nous-mêmes de côté par nous tous, nous très satisfaits de résultats par rapport à temps de préparation que nous gagnons. Et nous avons que volley 2000 quand même son équipe qui gagne pile technique parce que sans préparation. Nous avons une performance qui n'est pas à hauteur niveau, nous ne pouvons pas nous mentir. Nous avons joué plus bien que ça, mais on n'a pas mal joué non plus, donc c'est assez satisfaisant. Alors à qui ça que vous êtes capable d'oublier de faire ça, je veux dire? Un manque de préparation tout simplement. Nous commençons à entraîner mardi, jeudi en samedi, nous entraînons mardi et jeudi. Deux entraînements avant un match. Pas de miracle qui a fait, surtout en face Tigresse. Et à partir de match ça que nous jouons là, nous estimons que la prochaine rencontre sont alerte. Que nous voyons l'équipe que nous avons joué contre lui. Ah non, c'est sûr, nous toujours voyons alerte volley 2000. Il n'y a pas jamais pris volley 2000 pour une équipe comme ça. Il y a toujours d'ailleurs, même équipe qui plus pas de niveau 1, depuis qu'ils viennent jouer devant volley 2000, ils viennent blender. Donc nous toujours prenons toute équipe qui est sérieux et nous connaissons qui valeur volley 2000, qui valeur athlète volley 2000 gagne tout. Alors je dis en pile geste, en pile mouvement. Et jusqu'à ce que vous êtes au attaque, vous avez inquiétude, oui, tout le monde en forme. Tout le monde en forme, on petit crampe. Je crois qu'on est en public volleyball, la fin d'habitude, on crampe. On a un grand monde, nous ne pas rajeunir, donc crampe là, on essaie de gérer, mais c'est rien de grave, heureusement. Un message pour les fans de volleyball. Moi, je pense que, et je le redis, je le dis encore, la jeunesse haïtienne, le public, le grand monde, petit monde. Pas gain en pile activité sain en Haïti et le sport c'est une activité sain liée faut nous encourager. Donc faire déplacement, spectacle très intéressant. Je pense que tout match qui déjà fait c'était des matchs très serrés qui t'ai gain un bon niveau. Donc de temps en temps viens pour un petit plaisir, gagne un petit volleyball et en lieu et place de coach volley et volley 2000, c'était deux références capitaine volley et volley 2000 Stéphane Rebu. Daniel Lowo Maya, qui est coach pour les 2000, dans la déclaration, dit malgré des défaites pour la première rencontre dans le championnat, il est satisfait de match là, puisque il n'a pas assez de temps pour préparer. Cependant, il va le travail pour la prochaine sortie. Torneo. Et nous avons le temps pour récupérer. Realmente, nous avons eu poca préparation, deux sessions d'entraînement seulement. Et, aunque uno siempre quiere la victoria,
Yo estoy muy contento con el trabajo que hicieron las niñas a pesar de que se perdió. Pero bueno, eso es seña de que tenemos que trabajar más. Después bien match tournoi nous pas gain pile temps de préparation, nous te gain deux séances de préparation seulement avant match ça et li pas déçu de défaite là. C'est un bon pas quand même lié et n'a continué travail, il est très satisfait de ça nous baise sur terrain par rapport à peu d'entraînement que nous faisons avant premier match là. En el voleibol todo es importante. Es decir, hay que trabajar en todos los aspectos técnicos de juego. No podemos olvidar que jugaron con el equipo que el año pasado fueron campeones y este equipo, bueno, subcampeón, pero perdió a algunas jugadoras y tenemos que formar nuestras propias jugadoras para suplir la cantera de las atletas que ya no están. Tout va important dans préparation nous. C'est volleyball là, donc tout va important. Et ça qui est arrivé tout, c'est que pas oublier que l'équipe nous jouait contre l'Ian, c'était l'équipe qui était champion l'année dernière. Nous-mêmes, tout nous avons fait finale avec lui, donc c'est sûr que lui n'est pas pour un match facile. Et nous avons perdu 2-3 joueurs. Donc c'est important pour nous reconstruire, pour nous augmenter le niveau. Ils compitent beaucoup et ils ont beaucoup d'athlètes. Pero bueno, hay que seguir subiendo el nivel para empeños mayores, por lo menos a nivel regional, y trabajar en la base. Principalmente, el secreto siempre del éxito está el trabajo en la base. Niveau en bon, ça qui est important pour lui, pour volleyball en général, c'est travail à la base. Parce que c'est à la base que le volleyball a commencé. Regreso a Haití por un contrato de trabajo que el club me contactó y entonces yo estuve en disposición venir a trabajar aquí en Haití porque es un país que quiero mucho, es como mi segunda patria y realmente estoy muy contento con el club porque me han demostrado el poco tiempo que llevo aquí que son una familia. Efectivamente, ils ont contrat avec club là, yo contacté lui, él était trop content pour le retourner et il pensait que Haïti c'est comme un deuxième pays, deuxième patrie, que il très content pour en Haïti et lui ouais que dans ce club là c'est comme une famille. Voilà, t'as suivi la réaction Daniel Romaira qui c'est coach volley 2000. Grâce à la chérie capitaine AS Grèce dans la déclaration de victoire, ça c'est fui. Travailler en entraînement, même si le reconnaître, il a été pêché sur le plan physique, mais il a assuré l'essentiel pendant le promettre. Il pourra continuer de travailler pour suite, comme ça, puisque Ravio s'est reporté championnat à Nessa. Ensevelé. Nous finissons ce premier match. Nous avons plus ou moins l'équipe comme elle a performé, mais nous avons besoin de nous-mêmes par rapport à l'autre équipe. Il faut dire que nous travaillons en pile, mais nous avons besoin de arriver à comment nous avons face à la nouvelle équipe qui vient en flèche. Là. Nous avons besoin comment nous jouer et nous m'assurer que nous allons déployer jouer nous davantage. Deux premiers sets, nous avons très facile, mais le troisième set, nous avons des difficultés jusqu'à ce que nous avons perdu. Et après, nous avons perdu le troisième set. Qu'est-ce que nous dit? Bon, troisième set, ça fait nous plus perdu. C'est parce que nous sommes cassés physiquement. Nous allons arriver à reprendre nous. Et que l'autre équipe l'a fini pour le gagner. Et nous sommes un petit peu cassés. Mais dans le quatrième set, le coach dit nous calmer, plus jouer avec intelligence. Donc nous plus mettre tête nous à cela. Nous allons utiliser force. Et essayer de jouer avec intelligence pour arriver à gagner le quatrième set. Là. Et moi, je voulais dire que, mesdames, ce n'est pas seulement force que nous gagnons, nous jouons avec tête, nous parce que nous avons plus ou moins d'expérience, nous jouons ensemble. Alors, et je dis, si vous avez regardé Gajuela, il a évolué dans le top niveau. Comment est donc motivation ça t'est venu bon côté Gaz? Moi-même, la motivation première, moi, c'est toutes mesdames qui sont dans l'équipe. Ils ont tout à fait un pile d'efforts. Et moi, en tant que capitaine, je suis fier de eux. Et je dis que je suis toujours à faire, je suis toujours le meilleur de moi-même pour qu'ensemble, nous arrivions à gagner le titre encore. Alors, 3-7 à 1, et à ton avis, c'est un match qui était tout à fait difficile? Bon, oui, je nous mentir, nous était un peu difficile. Voler 2000 était fini pour le battre nous. Et moi, bien content parce que moi, Anessa a gagné pile compétition, que ce soit au niveau de Ninas, mon magique, voler 2000. Et moi, content, moi, volleyball à Belle. Mais j'espère que y a plus de monde qui vient garder toujours. Est-ce que vous êtes capable d'espérer de gager là pour un match parfait aujourd'hui? Bon, moi, je dis que je vais continuer de travailler même genre et que je viens avec plus de conviction pour toutes mesdames, toutes fanatiques. Et j'espère que Anessa est champion même genre. Un message pour fanatiques à Vini en foule, mais c'est que nous tous avons fini, nous ne pouvons pas décevoir, nous avons toujours gagné, nous sommes une équipe jeune qui a évolué et moi je voulais dire que nous avons un bel spectacle. Voilà, mesdames, messieurs, c'était capitaine AS Tigreslan, Graziela Chéri. Jean-Denis Destiné, qui est coach AS Tigres en déclaration, salue le travail Rose Lio, qui selon lui était très appliqué. C'est vrai, Anessa, il y a un peu de challenge, il y a des croyables travail, puis il y a des même l'enseignant. En suivant. Pour nous faire que les fanatiques sont contents. Je dis en nous jouons un match parfait, puisque deux premiers sets ont gagné, mais dans le troisième set, on a gagné un petit panique.
c'est pas vraiment en panique parce que Jean m'a dit c'est mon yo que c'est normal d'être fatigué parce que après on deux premiers sets et que nous jouons full, nous allons au-delà des capacités, c'est normal pour nous fatiguer. Et nous avons annoncé qu'il faut être plus efficace qu'avant le premier set, parce que nous n'avons pas agressif, même parce que la fatigue là dans le corps, j'aime mieux appeler, après il faut pas qu'il faut et que nous pas sauter vrai. Et que nous avons dit ça, bon, malheureusement, à la dernière minute, et nous avons perdu 7 là. Alors, c'est le match qui était le dernier match pour être capable de toute l'équipe dans la compétition. Et dans quel niveau vous placez l'équipe de SIGRES? Nous avons deux matchs que nous avons gardé. Et malheureusement, c'est Challenger nous, qui c'est Magic et Inas Moua. Et bon, je ne sais pas vraiment côté de casser parce que si je veux un match Magic et Inas Moua, il n'est pas encore mieux pour moi. Même si je veux un match amical avec Magic, il était battu 3-0. Moi, son équipe qui a vraiment progressé. Mais pour Inasmo et Mbako elle-même pendant tout le temps là. Alors et à partir de match et volleyball ça, c'est sûr que ou en mesure pour dire nous point fort nous et faiblesse nous. Et point fort nous en faiblesse nous c'est pas ça bon Mexico que depuis je être respecté que me gagne point fort que me gagne point faible et c'est pas vraiment ça qui est important. Depuis réception m'a marché passe moi à fait. Seul ça me connaît. Je prends son point fort qui est normal, que je suis un soleil de Gazila. Et depuis le ballon, je suis venu à nous, je ne suis pas content parce que. Voilà, tu as suivi la réaction de Jean-Denis Destiné, qui est coach à ST Grèce. Vitor, tu as suivi pour suivre la programmation. Bye tout le monde. À la prochaine.